Hey, re pour une autre vidéo. Alors elle va être plus courte celle-là. En fait, on m'a averti qu'il y avait un souci avec la figurine, c'est que j'avais pas mis le sabre. J'avais confondu le fourreau et le sabre en fait. Du coup, on a le fourreau. Le fourreau qui est juste là, là. Voilà, qui est ici. Donc le fourreau du sabre de Tanjiro, il est là, voilà. Là, on a le fourreau. Et voici donc la vraie gueule de la figurine avec son sabre. Je me disais bien que le katana, il avait pas une belle gueule. Genre qu'il était un peu spécial. Du coup, je l'ai revu le katana et franchement... Waouh! Waouh, franchement, waouh, juste waouh, il est incroyable. Le fourreau, par contre, je me disais bien que ça ressemblait pas à un katana, il n'y avait pas la garde et tout ça, c'était moche. Je me disais qu'il y avait un souci. Mais du coup, là, on a la vraie figurine avec le dixième mouvement. Et le katana, la vidéo, elle va s'appeler le katana perdu, genre vraiment. Mais du coup, la vraie gueule de la figurine, elle est incroyable avec son sabre. Hein. Vraiment incroyable. Sublissime, hein, la figurine, franchement, avec son sabre. Une jolie belle gueule, hein, vraiment. En plus, je l'ai trouvé un bon endroit placé. Voilà, là, on a là, on a justement le katana, le Nichigiri, il est là, le Nichirin. Le Nichirin est ici, le dragon d'eau. Là, le fourreau de Tanjiro, tout est là. C'est incroyable.